Stamos in the house. C'est bon, c'est nul. Zéro. Ça joue. Hoi. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Stéphane Schmutz, a.k.a. Stemutz. Je suis photographe avec un studio à Blue Factory. Sérieux, c'est quoi cette passion pour les renards et le camouflage? Alors voilà, j'adore me promener en forêt puis me camoufler pour justement faire des photos d'animaux sauvages, comme la petite biche. Puis voilà. Dans tes rêves, quel serait le Playmobil parfait? En fait, c'est ma tenue de presque tous les jours, là, depuis le Covid. C'est Playmoots. Tu es plutôt argentique ou numérique? Très numérique, en fait. Ouais. Présente-nous tes potes. Alors, on va commencer avec Pikachu, c'est mon assistant. En fait, toutes ces personnes sont dans mon studio. Il y a aussi Lama Cool, Madame Coconut, et puis ma biche, qui est un mec, en fait. Ouais. Tu dis quoi aux gens pour avoir un sourire naturel en photo? Souris, t'es content. Puis j'ai aussi Slimer qui m'aide. En général, quand tu souris pas, ben je monte Slimer. Fribourg, en un mot, beauté. En tant que batteur, tu dois nous simuler ton 7 gestes préférés. Tu peux refaire ou bien? C'est quoi la vie pour toi? C'est sourire, en fait. Je pense qu'il faut se réveiller avec un sourire. Les journées sont plus belles. Tu préfères avoir un Pokémon comme animal de compagnie ou avoir 10 chats? Alors, je vais décevoir Pika, mais 10 chats, ouais. J'en ai 3. Il y a Mitsuko, c'est le vieux. Il y a Zelda, la moyenne. Et puis, il y a le petit nouveau qui s'appelle Karma. Un souvenir gênant en shooting. Willy Maurer, quand on a fait la photo du Conseil fédéral, il ne voulait pas faire la photo, portrait. Et puis c'était un peu gênant sur le moment, parce que moi je pensais que c'était un gag en fait. Et puis en fait il était très sérieux. Et puis vu que j'ai toujours mon papa avec, ils ont discuté 5 minutes, et puis après il est venu. Tu trouves que tu ressembles à un Viking? Non, pas du tout alors. Fais-nous une impro de rap qui commence par S. Stamos in the house. C'est nul. De zéro. Fini le malaise, maintenant sors-nous un cri digne d'un chanteur de métal. Non, je suis pas chanteur en fait, je suis batteur. Ouais. Est-ce que la petite lumière dans le frigo est vraiment éteinte quand on referme la porte? Oui, évidemment. Balance un animal qui te représente. Niveau capillaire, je pense. Si t'avais une baguette magique, tu utiliserais pourquoi? Pour la paix dans le monde, quoi. Je vais faire comme les Miss, en général, la paix dans le monde. Et je veux montrer à toute la France que j'adore de vivre et je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Merci beaucoup, madame. Le Huma Brandé Stemutz, c'est vraiment nécessaire? Oui, tout à fait. Moi, je suis beaucoup dans le terrain. Et puis, si on n'a pas de 4x4, on peut pas. Le vélo, c'est cool en ville, mais le 4x4 dans le terrain, c'est encore plus cool. Balance ton lieu préféré à Fribourg. C'est aussi très cliché, mais c'est la vue en haut de Lorette, en fait, sur la ville. Souvent, je vais et puis je regarde la ville respirer. Je pense que c'est le plus beau coin où on sent vraiment la ville. Tu ressembles à quoi sans barbe? Hey. Je dis toujours DJ Bobo, quoi. J'ai dans mon Insta vraiment, vraiment beaucoup plus bas, il y a aussi peut-être une photo où il y a peu de barbe, c'est gênant. Balance-nous ton plus beau smile et dis-nous ciao. Ciao! Allez, ciao! Ciao! C'était nul. Merci d'être passé. Pour ressortir de la box, tac au tac, tu dois avoir l'app frappe. Évidemment! Ça va, c'est pas...